Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, je suis Monsieur Green. Aujourd'hui, un sujet dont tout le monde parle, à n'importe quelle heure de la journée et avec n'importe qui, pour introduire une discussion ou combler les blancs, il n'y a pas mieux, d'après vous. Alors, un petit indice. Eh bien oui, la météo. Et oui, quel temps fera-t-il cet hiver? Doit-on définitivement sortir les imperméables et parapluies ou les grosses écharpes et bonnets? Telle est la question. Comment s'annonce cet hiver 2018 selon les météorologues? Tout d'abord, un point essentiel à connaître pour comprendre la différence entre météo et climat. La météo est fluctuante et difficile à prévoir. Il s'agit d'étudier les processus physiques de court terme qui sont observés dans la partie la plus basse de l'atmosphère. À des endroits très localisés, il est donc tout à fait normal de regarder la météo à la télé et d'observer devant son pas de porte un temps complètement différent. Il s'agit ici de donner une tendance dont la fiabilité dépend d'éléments brefs dans le temps. À l'inverse, le climat s'étudie sur des valeurs moyennes, sur des zones géographiques beaucoup plus vastes, permettant d'observer de longues périodes allant de dizaines d'années à des siècles. On passe donc à une échelle beaucoup plus grande. Comprendre cette différence, c'est donc comprendre qu'il peut faire très froid cet hiver, malgré un réchauffement climatique démontré. Si cet hiver très froid se répercutait chaque année pendant des décennies et à une échelle plus globale, il serait intégré à l'observation du climat. Pour autant, qu'en est-il de l'hiver 2018? Au 25 octobre, l'étude qui couvre la période novembre, décembre et janvier nous annonce un mois de décembre qui risque d'être fort pluvieux, avec des températures plus ou moins douces. Par contre, dès le mois de janvier, le froid devrait s'installer sans réelle intensité, un peu comme les années précédentes. Bien évidemment, il s'agit de prévisions qui doivent être réactualisées régulièrement. Qui dit hiver dit chauffage, dit précarité à se chauffer correctement, dit coût financier, dit émissions carbone. Il y a 2 ans, en 2016, l'INSEE publiait une étude consacrée au chauffage dans les foyers. 12,1 millions de foyers souffraient de précarité énergétique. Cet indice est calculé selon 3 critères. Les revenus du foyer, l'isolation de l'habitat, ainsi que le coût de l'énergie. En 2016, la facture de chauffage moyenne était de 1611 euros annuels, selon une étude réalisée par le site quelleenergie.fr. Un tiers des Français se chauffent à l'électricité, un tiers au gaz, 5% au bois et le reste au fioul. La dépense des ménages dans le chauffage de leur habitat représente 14% du budget annuel. Dans les années à venir, l'énergie ne va cesser d'augmenter. Nous pouvons prendre l'exemple d'EDF, qui augmentera de 5% chaque année jusqu'à 2021. D'ailleurs, à ce sujet, des réseaux locaux en forme de coopératives voient le jour, comme Enercoop, où vous êtes actionnaire de votre énergie sur un réseau local et transparent, mais surtout autonome et non dépendant de variations tarifaires. À aujourd'hui, le coût est un peu plus élevé que EDF, mais d'ici 2021 et les hausses annoncées, le coût sera le même. Quoi qu'il en soit, les enjeux climatiques nous demandent une fois de plus d'être attentifs à nos dépenses en énergie. Au-delà des multiples produits électriques que nous utilisons et que nous devons débrancher après utilisation, le chauffage, lui, impacte brutalement le budget familial. Les fenêtres sont responsables de 10 à 15% de la perte de chaleur, et les murs absorbent 20 à 25% de celle-ci.
L'isolation a donc un intérêt central dans la question du chauffage et doit être placée comme premier enjeu pour lutter contre la précarité et dans le même temps, cela réduira le gaspillage énergétique et son impact sur l'environnement. Pour terminer, un dernier chiffre de l'enquête qui fait écho au ressenti que l'on a du froid, 82% des femmes sont plus frileuses contre 66% chez les hommes et les plus de 60 ans ressentent moins la sensation de froid que les moins de 35 ans. Tricoté, tricotons. Pour le moment, nous sommes sous un mois de décembre pluvieux, ce qui, après un été très sec, est bon pour les sols, si ce n'est pas dans l'excès. Appréciez une dernière fois avant que l'hiver ne s'installe, comme la pluie redonne du vert et de la vie au paysage et dans vos jardins. Profitez pour patauger dans la boue, les enfants en raffolent. Un proverbe indien nous dit que tant que les cieux pleurent, la terre vivra. C'était Monsieur Green. Bonne semaine à tous et à tous. On se retrouve pour un réveillant 100% green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça pas green. Oui. Green comment ? Oh, super green. Aussi green que ça peut être. Green, 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 green,